Bonjour à tous, bon, vous l'avez compris, hein, je me mets à la recherche d'un nouveau bike. J'ai eu plusieurs propositions, je cherche encore. Je vous donnerai peut-être des news là-dessus, mais en attendant, on va profiter d'une journée porte ouverte chez Origine. Je vais essayer de vous emmener un petit peu dans les coulisses de l'usine. Je vais demander s'ils acceptent qu'on filme un petit peu. Je suis venu avec mon poteau Damien, il est pressé d'aller voir. Et puis voilà, à tout de suite. Damien, on va rentrer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mon ami. Ah ouais. Ça commence très fort. Le fraction. Bois. Magnifique. Le théorème. Avec le groupe SRAM GX en mode électrique. Alors ici, les gens qui travaillent là, c'est des passionnés quand même. Ah bah oui, c'est une. Et celui-là, la couleur, elle est très jolie. Ouais. Ah, c'est du mat. Avec XTR. Pareil, le théorème aussi. En semi-rigide. Ah, il est beau quand même. Hein. Ah, ça, c'est un bot, tu vois. Ça, mon poteau. Ah, ça va cher. T'en veux celui-là? Ouais. Je te le paye. Allez, vas-y. On met dans le coffre. On met dans le coffre. Attends, je veux dire qu'il sort le bon camp. Magnifique, hein. Donc on est dans une partie du showroom. Oh, c'est des sacrées belles machines. Il n'y a pas un chien. Ah. C'est la richesse et tout. Regarde ça, pour faire nos escapades jusqu'à. Bon, là je vais appeler pour un mer. Jusqu'à la mer, tu veux. Ah bon, on va se faire de l'eau. Ouais. Oh, j'adore la couleur. La route, les gars, ça va être tout le temps très bien de partir sur la route. Hein ? Ouais, Théorème GTR, magnifique. Bon, il est équipé de SRAM, hein, mais bon, tant pis. Avant ça, tiens, qu'à ses goûts, j'ai envie de vous dire. Hein. Je sais pas si la carte bleue elle va fumer, mais il va se passer un truc. Comment ? Là, il y a un tout suspendu là derrière. Ah ouais, je vais aller voir ça. Il y a un serpent dessus. Ouais, la couleur est absolument magnifique. Avec le serpent sur le cadre. Oh. Un chouette showroom. Celui-là, il y a vécu déjà. Ben non, c'est la peinture. C'est la peinture, quoi. Ouais, gamme. Ah ouais. Ben, quoi, je vous dirais. Alors ça, attends, je vais essayer de me mettre un peu dans la lumière, mais ça. Attends, celui-là. Ah, il est beau. Voilà. Les enduristes. Ah ouais. Ah, puis celui-là il est monté en XT, hein, tu vois. Hein? Celui-là il est monté en Shimano. Ouais, ouais, puis tu vois que le mob il est beau. Théorème aussi. Plus rincé. Plus rincé en dur celui-là. Quoique.
Bon, ça fait beaucoup de billets quand même. Déjà que j'aime pas les vélos qui grincent. Ah ben voilà, tu vois, regarde. Là, ici, tu as la même chose en semi. En semi rigide. Mais tu vois la roue derrière. Là, c'est top. Hein. Ouais, vas-y, je t'écoute. T'as vu, elle est collée quand même. Ouais. Bon, après, t'es sur du gros pneu. Hein. Ouais, mais là. Ouais. Tu vois, je trouve. Ouais, c'est vrai que moi je garde. Tu vois, chez Cube, je suis tout le temps embêté parce que. Bah ouais, c'est ça. Mais là, c'est pareil. Mais ça, c'est un peu le principe du semi-rigide où ils mettent des vélos plus. Où en fait, l'empattement entre les roues est un peu plus resserré que sur des. Que sur des tout suspendus, quoi. Là, c'est. Ça, c'est l'intermédiaire. Ah, celui-là, il vaut. Ça, c'est mon voisin. Un vélo de route comme ça. Il y a des moments où je repartirai bien sur la route. Quand je vois des machines pareilles. Le fraction. Et voici au cœur de l'atelier de montage. C'est rangé, c'est propre. Alors déjà, c'est un bon. On voit que tous les vélos sont préparés et montés sur les différents postes. C'est un bon signe quand vous voyez une entreprise propre, rangée, organisée. C'est déjà un très bon signe. La partie montage des roues. En partie. Mets tes mains à ton cul, toi. Non, mais attends, je regarde, je touche. Là, je crois que c'est cool hein, qui ça fait une porte ouverte comme ça. Ouais, bah tu vois, regarde, t'as la partie usinage. Bon. On choisit quel cadre d'abord. Bon, allez, je vais prendre le bleu ciel, tu vois. Le bleu ciel. Ouais, c'est un peu la couleur à Manu. Ouais. T'es un nostalgique toi. Bon, et moi tu vois le orange là. Le orange il est couleur beau. Or là. Ouais, il est beau, il est beau. Même le mauve, là-bas. La couleur elle est pas mal. Le biton là derrière. Regarde. Comme celui-là, regarde. En biton comme ça. T'es là comme ça. Ah ouais, c'est beau. Atelier de peinture, je pense. Tu vois, il y a les cabines pour l'étuvage. Quand même, hein. Atelier montage de roues avec les machines pour mesurer les tensiomètres de rayonnage, les décalages, etc. Plus la bouteille de Contrex. Bon, ça, on connaît moins par contre. J'adore la peinture par contre. Hein. Avec. Avec le petit graphite comme ça là. La pierre est un peu métal. Je sais pas si vous voyez. Ouais, bien métallisé. Avec les paillettes. Mais des paillettes dans ma vie, Damien. Système SRAM électrique. Bon, Damien, il veut s'acheter celui-là. On n'est pas venu pour lui, on est venu pour moi. Ouais, celui-là il tue. Bon ben mon poteau, on va s'installer. Allez, on va regarder vas-y. Ça avec François-Xavier qui va nous conseiller. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire. Une config, pourquoi pas. On va tout regarder, on va essayer de chercher. Alors, mon Jaco. Il est en pleine négociation. Bah voilà quoi, hein. Ça négocie mon Jaco. Hein. Il est là. Voilà, c'est vraiment notre gamme, serait dommage. C'est quoi, c'est 32 je suis 32 là-dessus. Au niveau du défaut. Ouais. Il y a un peu posé pour qu'on veut. Ouais.
Oui. Pas quelque chose de très rigide, voire limite route et gravel. Oui. Donc on fait que ça. D'accord. Moi, passer d'un tout au rien, c'est suffisant. Oui. Vous voyez, ah ouais, j'ai pas besoin d'une position intermédiaire. Bon, moi je suis installé. Hein. Où il faudrait que j'écoute les experts. Plus, quoi. Non, vraiment. Ah ouais. Je sais pas. Ramène-moi quelque chose aussi parce que je t'ai dit. Bon, Jaco, je crois que la boisson l'a offert, alors je vais aller en chercher une. Ouais, c'est pas comme en randonnée. Hein. Bon, je vais prendre une Orangina. Dans ces marques-là, je... Bah là, Primal, c'est notre marque. Oui. C'est nous qui les assemblons, c'est les roues que vous avez vues ici en bas. Donc, Polaris, c'est la gamme VTT. On va partir de là-dessus. Là, ici, vous avez un rayonnage pro. Du coup, on est sur des rayons plats. Rayons plats, ouais. Et surtout, une entrée droite dans le moyeu. D'accord. Ici, on a un rayonnage R. Donc, des rayons ronds et une entrée coudée dans le moyeu. D'accord. Donc, les moyeux ont des flasques. Ça va être ça la principale différence. Ici, vous allez avoir une roue plus réactive, plus rigide, surtout au niveau latéral. Toi, t'es installé, toi. Mais là-bas, il y a un manger. Toi, t'es installé. Pendant que moi, je bosse, toi, t'es installé. Oh, ça va, vous avez rien vu. Non, mais j'ai peur, il y a de la bouffe. Il y a de la bouffe, ouais. Franchement, on est bien accueillis quand même. À noter, il est à l'Orangina. On est très bien accueillis, François-Xavier, franchement, il est de super conseil, là. Donc, après on va aller dehors, il y a quelques vélos en test, on va aller regarder ça un petit peu de plus près. Je suis pas encore décidé, on verra. Bon, très bon rendez-vous avec François-Xavier, je le remercie, si jamais il regarde la vidéo, de sa patience et de tous les conseils. Là, on est dans une pièce réservée aux occasions. Bon, un petit gravel, mon poteau. C'est lui, c'est mes rigides. Alors on est sur la partie test où on peut tester les vélos. Je vais essayer de voir si je peux monter sur celui qui me botterait. On verra bien. Ah, il est là-bas. Je te dirai pas. Je peux pas te dire la caméra. Ah ouais, c'est vrai, bah dis-moi la crochette. Non, c'est pas celui-là. Tu vas où Jaco? Tu vas essayer un vélo? Je voudrais essayer un vélo. Lève ta caméra parce que sinon on voit pas. Bah si, on te voit là. Ah non. Mais si. Ouais, mais attends, tu vas aller l'essayer là-bas ou pas? Ouais, non. Si, on va essayer là-bas. Moi, quand tu vas revenir, tu vas être bleu. Il y a trop de plus. Vas-y, Jaco. Attends, il me faut ma carte d'identité. Comme tu crois qu'ils vont me donner un vélo comme ça, toi? J'aimerais bien que t'aies une suée quand t'es reviens. Ah bah, j'aurais rien de suer. Ah ouais. Gaillard. Non, mais là-bas, tu t'imagines, tu poses le pied là-bas. Vas-y, Jaco, s'il te plaît. Ouais, je te filme. Bon, mon Jaco, il est parti essayer un vélo. Je vais le filmer. Mais par contre, il fait bon. Et il y a du T+. Et il va revenir, il va être bleu le gaillard. Bon. Tu vois, ça n'empêchera pas. Qu'il faut que je tourne la jambe pour voter, tu vois. Ah ouais, bah allez. Chelou, ouais, quand même, au début. Ouais, depuis le pas, j'ai tout cassé. Ça y est, parti derrière. Il rigolait de moi, Damien, mais tu vois, il est parti s'amuser aussi. Hein? Fumier de lapin. Par contre, juste ça tape le cul, c'est super efficace, c'est impressionnant.
j'ai monté 3 bosses, je suis pompé. Bon, mon copain, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, c'est top. J'ai essayé un vélo. Là, il y a un bière, il y a un magé. Ah ouais, j'ai tombé. Bon, donc j'ai essayé le théorème FS GTR. Très beau vélo. Hein. Bon, forcément, c'était pas réglé à ma taille ni rien. Donc, bon. Mais je me décidais. Vais-je pas me décider? Est-ce que j'attends encore de voir ailleurs? Je vous laisse à vos pronostics. Mais pour l'instant, c'est pas signé. Allez, j'espère que le petit reportage vous a plu quand même. Je vous dis à très bientôt pour plus de nouvelles. Et puis, peut-être une rando avec un nouveau vélo, on verra bien. Ah ouais. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ah, et je disais merci à Origine de m'avoir permis de filmer les images. Merci à François-Xavier qui m'a vraiment bien conseillé. On a été très bien accueillis. Ça vaut le coup d'être vu, ça vaut le coup d'être fait. Voilà. Là-dessus, à très bientôt. Ciao, ciao.